Artil, ça donne envie de croire que l'expérience ça fait pas tout. Des mecs comme Artil, des mecs comme Fusty. Exact. Fusty qui a. Quelle technique as fuck. Qui a battu qui? Fusty qui a battu Welp, mec. Ah ouais, qui a battu. Il a battu Welp 2-1. Et qui a pris une game à. Ah, quelqu'un de très bon. Je crois que c'était. Non, c'était pas Raoul, mais il a pris une game à un gars. Ah ouais, gars très très bon. Non, à Damo. Voilà, il prend la première game contre Damo. Et, mais par contre, il s'est fait éliminer par un gars un peu moins fort que lui sur le papier. Voilà, un petit upset, tu vois, sur Fusty pour ça. Et ça part direct et c'est la mienne. Chez Michigan. Bon, on a qu'à dire que la première stock comptait pas. C'est ça, je pense que ça mérite peu de commentaires, mais voilà, on voit Michigan qui fait. Je crois que c'était un shield DI qu'on a pu voir sur le Dance Match. On voit qu'il s'attend un peu plus au Dance Match. Et peut-être que Swan va avoir plus de mal à en placer. Et là, du coup, ça va être autre chose. À voir. Mais ouais, des bonnes jabs quand même. Voilà, le turnip. Ça va vite. Hein, c'est pas mal comme option. J'y avais jamais pensé. Mais foutre la turnip juste en dessous de toi. Pour, ouais. Non, c'est. Même en edge guard, ça marche. Enfin. Les turnips, elles donnent vraiment. Ouh, et de 1 et de 1 et de 1 et de 2 et de 3. Non, c'est pas et de 3. La stock, c'est bon, c'est la. Il y a peu de chances qu'ils s'en sortent. Il a une capacité à récupérer les turnips qui est très bonne. Son turnip game, de manière générale. Ah ouais. Ouais, je me rends pas compte. Il arrive à te faire. J'avais l'impression que c'était Samus, quoi. Il occupait tout le terrain avec des turnips. Ouais. Mais. Bonne conversion, bon kill, il a trouvé la bonne ouverture, ouais, et on revient moment. À une égalité quasi parfaite. Et c'est cool de voir Swan Kiwi affronter de suite deux Fox différents. C'est clair, là pour on voir voit la différence. C'est ça, il y a moins de up air, c'est pas du tout la même chose. Par contre, voilà, il y a des dare, il y a des. Il y a toujours des toujours des dance match sur les plateformes, ça c'est sûr. Ça c'est mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même. Bon, il arrive à il tourne un peu. Il revient. C'est n'importe quoi. C'est ça, elle l'a littéralement écrasé. À la prochaine. Vas-y. Non plus. Et JVJ nous quitte. Ouais, et là, le temps qu'on dise au revoir à JVJ, il s'est pris un dance match qui lui a bouffé la moitié de sa vie, mais il arrive quand même à trouver le kill. 65%, c'est faisable. C'est carrément faisable. Peut-être un peu plus de grade, moi, si j'étais lui, quand même. Ouais, j'ai l'impression justement qu'il essaye de faire pas mal de short-top aérial pour justement éviter de rentrer au sol et de se faire punir. Il bourdonne autour, ouais, exact. Mais voilà, faut un peu de dash dance aussi. Je sais que c'est pas évident. Il est encore en bonne garde de Swan. Il a plus de et c'est bien joué à pas grand chose. Swan qui est content de sa prestation parce qu'il a senti que ça pouvait aller très vite. Il a senti que ça pouvait. Et on part direct sur Pokéflotte. Non, j'ai sur mais c'est parti pour Pokémon Stadium. Et 36% à une seconde et demie de jeu. On appelle ça le dance match de pitch, mais Michigan qui rattrape assez vite son écart. Ouais, c'est cool parce que ce match-up, ça va vraiment dans les deux sens. En termes de faire monter les pourcents, c'est vrai que les deux, ils ont vraiment des atouts. Une pitch qui SDI mal. Ouais, là par contre, les DI de Michigan l'ont emmené au bled, comme on dit par chez nous. Mais là, ça. Ah, dommage! Désolé dommage. Pour nos oreilles, mais c'était pas mal. Faut vraiment que j'arrête de. Voilà. Et ça aurait été vraiment ballsy d'attraper l'edge. Ça aurait été. Mais on est quand même sur quelque chose de très serré. Là, il va chercher le kill sur Pokémon. Low ceiling. Ne sois pas impatient, Michigan. Voilà. Tranquille. Il a pas eu ça arrive. Voilà. Et la classique salade tomate. Salade tomate up smash. Up smash. Tout le monde en a mangé. On n'a pas tous forcément aimé, mais quand c'est même. Ça. El Classico. Ah, les transformations pour Peach, j'ai l'impression que toutes les transformations elles sont monstrueuses. Ouais, c'est clair. T'as des espaces serrés pour Dance Smash, t'as des espaces verticaux pour faire tous les aérioles qu'il veut, les flottes qu'il veut. Ici, il n'y a pas trompé sur son counter pick. J'ai l'impression que quand même dans les top tiers. De quoi? Dans les top tiers, il y a beaucoup de. On nous a appelé. De quoi? Il y a eu un bruit de manette, ouais, je l'ai entendu aussi. Il y a du sel quelque part, écoutez, les marais salants sont à sec, effectivement.
effectivement, le sel est disponible en ce moment. Mais pas pour autant en rupture de stock. Mais voilà. Et donc, ce sera encore une fois une égalité parfaite à la deuxième stock, comme le match précédent. C'est cool parce qu'on voit. Il a une vidéo à lui. Ouais, il a eu un clip, mais si c'est le clip auquel je pense, c'est un clip vraiment broken où il a des items à tout balle sur FD. Ah, c'est pendant le crew. Ouais, c'était pendant une crew, ouais, c'est ça. Fusty, ouais, s'il est sur le stream, regardez-le, quoi. Attends, il y a une emote Kebabman pour Kebabman. Kebabman is on the map. Ah ouais, Kebabman is on the map. Ouh, putain. Ouais, je l'ai vu le smash. J'arrête de faire des gros noms. Et donc là, c'est encore faisable. Il faut pas qu'il se démonte le Michigan. Mais voilà, Swan, tu vois, c'est vraiment le mec psychologique. T'as vu comment ça se dit, elle était. Ouais. Elle était même. Et là, c'est pas mal. Là, on a. Dernière opportunité. Et donc là, tu vas voir la gestion de la last stock par Swan. Tu vas voir ça. Regarde-moi ça. J'ai envie de croire. Ah, malheureusement, mais je te le dis. Tu vas voir la patience, le spacing. Ah, il a quand même trouvé quelque chose. Mais il va vraiment lui rack-up les dommages, en fait. Il va plus chercher le kill aussi rapidement. Il essaie trop de Shan up smash direct. Ouais, mais là, il l'attend. Il va turn-up à fond. Mais quoique, Michigan qui arrive à être très patient aussi. Les deux là sont hyper safe. C'est la stock. Et Michigan revient, hein. Michigan revient. Michigan ne sait pas avoir pas la turnip. Est-ce qu'il va pouvoir le choper? Il fait peur à Swan offstage avec ses full hop et ses conneries, mon frère. Il revient pépère. Non. Il revient pépère. Ah, il revient, il fait quoi? Il revient pour revenir encore. Non, il va se faire avoir. Ah, il va se faire avoir. Bon, c'est shit happen. Shit happen. Ah, je te remercie. Merci. Non, oui. A plus. Shit happen. Si, Swan Kiwi. Swan Kiwi qui fait très rarement de top 1, mais pour autant, il est sur Paris. Putain, il est présent. Attends, t'es fort à Mario. Tu fais des speedruns de Mario Party.